c'est la cité, tu tentes, je vais sortir mon six coups aussitôt. Des claques pour calmer l'excité dans la rue, faut avoir le mental. Et... sûrement ce qui sera la plus belle proposition de fin d'année. Mais moi, essayer pour vous dire un petit peu notre capacité à évoluer malgré que vous êtes chiant en séance depuis 3-4 années. En U14, on perd match amical contre eux, on perd 4-1. Ils prennent beaucoup de buts, ils ont une mauvaise gestion de la profondeur. C'est vraiment là où on leur avait fait mal sur les deux dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont souvent un bloc très haut et à la transition, dès que nous on récupère la balle, c'est là qu'on peut être méchant. Par contre, j'ai pris la décision de faire commencer Matisse avec Karl pour qu'il y ait un nouveau à chaque fois avec un ancien. Plan de jeu offensif, on reste toujours sur la même chose. Dès qu'on passe cette putain de ligne médiane, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous le savez. Et avant ça, je veux qu'on ait 3 touches max jusqu'aux 35 mètres adverses. 3 touches max, c'est-à-dire que le ballon doit continuellement avancer. Ils ont joué toute l'année en 17-1, donc c'est là où on va jouer l'année prochaine. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur ça. Ça va être un petit peu un ordre où on va se fixer aujourd'hui et de voir on est capable de quoi. Et collectivement, face à un club pro. Se montrer collectivement, c'est jouer les uns avec les autres, mais c'est aussi faire des très bons choix au bon moment. Aujourd'hui, on veut le dire, on termine un petit peu cette saison face à un club pro, et pas n'importe quel club pro. Je vous l'ai dit, s'ils m'ont fait venir ici en partie, c'est pour juste donner du bon jeu à certains joueurs, et l'autre partie, c'est pour en voir certains projets ici. Donc voilà. Je vous ai dit depuis le début, je vous accompagne. Mon objectif, c'est pas de vous garder à l'évolution. Si je peux aller faire signer ailleurs, on le fera. Par contre, ça passe par un gros match collectivement parlant. C'est-à-dire que si vous sortez de la collectif, c'est un joueur qui individuellement sort du lot. Je veux que sur cette première mi-temps, tant qu'on a du jus, on leur met une intensité max dans leur zone de 6 mètres. Ils vont tout vouloir, j'y cours. Donc, ce que je veux, c'est qu'on laisse la première passe. Dès que la première passe, elle est faite, ma ligne de 3 là, vous y allez à 200% et les 2-10, vous suivez. Derrière ça, ça veut dire qu'on suit à 5 minimum. On suit à 5 minimum. On fait des grosses prises de risque, mais on l'attend comme ça. Ce que je veux derrière ça, remporter la bataille physique, le deuxième ballon. On l'a travaillé à l'entraînement. S'il vous plaît, ce deuxième ballon-là, on doit tout le temps être dessus. À chaque fois, je répète pour les nouveaux, je veux que quand on a la balle, il y ait deux solutions en profondeur et une pied. Donc si logiquement la balle elle vient ici, c'est Hannes ou Enzo qui vient chercher pied. Si c'est Enzo, Hannes il prend la profondeur ou Wade il prend la profondeur derrière. On a été champion, ouais, certes, sauf qu'on n'a pas été champion avec la manière parce que le dernier match de championnat, on le perd. Si on l'appelait objectif signature, c'est parce que moi j'étais vraiment certain de pouvoir en signer 2-3. Moi j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que même avec des blessés, même sans gardien, même sans si quoi que ce soit, j'ai fait travailler mon cerveau pour pouvoir se dire qu'est-ce qui peut marcher pour qu'on gagne. Par contre, vous n'avez pas assez fait le nécessaire pour vous faire remarquer et aller en club professionnel. C'est votre dernière chance aujourd'hui, les gars, donc profitez-en. Bon match. Ouais. C'est moi, les balles, elles sont dures, là. Ouais Enzo, reste là, ouais, il sert pas dessus. En vrai, ma saison elle était plutôt correcte, mais je peux mieux faire. La deuxième phase c'était pas mal, mais la première phase c'était pas trop ça. Oui, bien sûr, on est monté en R1 au bucket hier.
Jordan. Mais en fait, on bonifie pas. C'est-à-dire que Zana, tu as récupéré un nombre incalculable de ballons et tu fais tout le temps la même. Parce que deux, trois fois, tu rentres, tu perds la balle. Non, s'il te plaît, libère un maximum, apporte offensivement sur ta course parce que tu iras plus vite sans le ballon. Et toi, je peux comprendre que tu as reçu un peu moins de ballons que tu aurais pu le penser, mais s'il te plaît, la différence entre les grands joueurs et les joueurs qui se trouvent bons, c'est que à chaque fois que j'ai le ballon, je dois passer le moins de temps possible avec. Et là, tout à l'heure, j'ai félicité Ivan parce que sur une prise de balle un peu compliquée, il arrive à la libérer en deux touches de balle et ça a créé un super décalage. Je vous ai dit, les gars, c'est une équipe qui est habituée à prendre des buts. Tyron, je ne sais pas s'il va aller les chercher là dans sa zone ici-là. Essayez d'en mettre une flottante. On est plus grand, donc si on la met flottante, au lieu de tirer fort, logiquement, vous n'avez même pas besoin de sauter tellement vous êtes grand. Par contre, il faut le mettre le coup de tronche et il faut le mettre au fond. Et les gars, hey, regardez-moi, je suis sûr que ça va passer aujourd'hui. Je suis sûr que ça va passer. J'ai un vrai bon pressentiment. Par contre, dites-vous, hein, ça a demandé des efforts. Il va falloir retrouver les ressources supplémentaires pour pouvoir gagner ce match-là. Allez les gars, Elson à la place de Mathis, Dwayne à la place de Karl.
douche et après on voit un petit peu ce qui se passe. Il y a eu des joueurs qui ont fait de très bonnes prestations, d'autres un peu moins, et c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. C'est pour certains joueurs, on était encore loin de cette dimension physique à ce niveau-là, mais c'est pas grave, on va travailler. Et chez les nouveaux, c'est bien. C'est bien, vous intégrez bien.